C'est un sport intense. Un sport d'impact. Où la tête en prend un coup. Des coups puissants et répétés qui mènent parfois à des commotions cérébrales. Dans la Ligue américaine de football, la NFL, on parle de 250 commotions cérébrales en moyenne par année. Notre plan vise à stimuler la transformation et l'amélioration de la protection à la tête. Fin 2019, la NFL donne le coup d'envoi à son grand concours, le Helmet Challenge. Le défi? Développer un casque de football amélioré, plus performant que tous ceux actuellement sur le marché. Pour nous, ça représente quand même la possibilité de gagner 1 million de dollars à l'issue du concours. En juin 2020, parmi une centaine d'inscriptions reçues, la NFL retient 4 finalistes, dont le groupe montréalais Collide. Le groupe réunit les expertises de Coupol en impression 3D, de Numalogics en simulation numérique, de Tactics en design, de ShapeShift 3D en customisation et de l'École de technologie supérieure, l'ETS, pour les tests de matériaux et d'impact. Tous ont des expertises de niche complémentaires, mais aucun ne s'est attaqué à la confection d'un casque de football, encore moins dans un délai d'un an. Go, go! Wait, wait! Donc, c'est très court pour développer un casque complet, là. Le projet, au départ, est très orienté ingénierie, mais on ne voulait pas se ramasser avec une boîte carrée qui peut peut-être fonctionner, mais dans le fond, qui n'allait pas plaire aux joueurs. Donc, ça, pour nous, c'est un aspect important. Pour se familiariser avec l'univers du football, ses codes et sa culture, il recourt aux avis des joueurs professionnels, dont Martin Bédard, un ex-joueur des Alouettes de Montréal. L'emblème du football, c'est le casque, mais évidemment le ballon. Mais quand on pense au football, je pense qu'on pense à un casque. Ça correspond à, mettons, nos images références. Comme tu vois, c'est des détails sur le casque qu'on trouve intéressants, des formes un petit peu plus carrées. Oui. Comme des volumes, mettons, de l'aération plus généreux. Là, c'est une coquille. Ils veulent surtout savoir ce qu'un joueur cherche dans un casque. Bien, premièrement, il faut qu'il soit confortable. Deuxièmement, il faut qu'on puisse avoir une bonne vision. Selon les positions qu'on a sur le terrain, puis aussi, on regarde la pesanteur du casque. Et sur le poids, la NFL est stricte. On peut aller jusqu'à 2,2 kg. Puis les casques sur le marché sont autour de ça, jusqu'à 2,5 kg. Limiter le poids et la taille du casque, tout en absorbant le maximum d'énergie générée par l'impact. Beau défi. Les ingénieurs se concentrent sur les accélérations linéaires de la tête, mais encore davantage sur les accélérations rotationnelles, plus susceptibles de causer des commotions cérébrales. Pour arriver à absorber l'énergie, le groupe s'inspire d'un principe d'architecture en treillis, fabriqué en impression 3D. Donc, ces structures se compriment à une certaine énergie qui va avoir lieu pendant l'impact. Et qu'on veut qu'elles se déforment pour que ce soit les structures qui absorbent l'énergie et non pas que l'énergie soit transmise à la tête. Mais tout reste à faire. Les structures en treillis doivent être optimisées pour un casque de football. On peut parler, par exemple, de la taille du maillage. Ça peut être aussi la taille du filament avec lequel on va construire notre maillage. Donc, c'est de trouver la bonne combinaison de paramètres qui va nous permettre d'atteindre la cible qui a été établie. Pour accélérer le processus, on teste numériquement différents types de maillage. Fait que là, ce qu'on voit, c'est le mode de compression d'une structure. Fait qu'on peut tester des géométries vraiment différentes puis comprendre comment elles vont s'écraser pendant l'impact. On s'intéresse à deux comportements en particulier. Le flambement, c'est la capacité de la structure à se déformer d'un coup pour absorber de l'énergie. Et le cisaillement, sa capacité à résister à des forces latérales opposées. On va peut-être avoir un problème sur l'efficacité. Dans les laboratoires de l'ETS, on teste ensuite physiquement le comportement de chaque structure. Comme le sport se pratique par temps chaud et froid, on doit s'assurer que les structures d'absorption conservent leurs propriétés mécaniques, peu importe le temps et le type d'impact. Jusqu'à maintenant, on a testé, disons, 48 différents treillis. Donc, on pourrait avoir, par exemple,
différentes caractéristiques de coussinets à différents endroits du casque en fonction de l'impact. Puis on va être capable de moduler ces coussinets-là en modifiant, par exemple, les caractéristiques du treillis. En parallèle, et parce que le temps presse, Martin Laberge trace les premières esquisses de la coque du casque et de la façon dont les structures d'absorption vont s'imbriquer à l'intérieur. Donc ça, c'est une ébauche là, qui permet de voir un peu... c'est juste du dessin, là, mais ça permet de voir un peu le casque dans son ensemble ou en transparence. L'équipe doit se distinguer dans son design, mais sans déroger à la tradition. Un casque de football doit ressembler à un casque de football, du moins dans ses lignes de base. Entre autres, c'est l'espèce de ligne transversale qui va de l'avant vers l'arrière du casque, qui est à peu près présente sur tous les casques. La configuration de la grille, les modes d'attache. L'autre aspect qui est important pour nous, c'est les proportions du casque. Pour y arriver, on a littéralement sculpté les formes imaginées en dessin. Nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis les proportions d'un casque du marchand. Et puis, d'autre côté, on a créé une contre-forme d'argile qui nous permet de sculpter, de transposer ce qu'on a imaginé en 2D, en dessin, puis le transposer en 3D. Et nous, on utilise cette étape-là pour venir poser les lignes qu'on a imaginées, mais aussi, bon, retravailler les proportions, les petites subtilités des surfaces. En parallèle, les cellules ou les coussinets qui vont absorber l'impact prennent forme avec les couches successives de polyuréthane thermoplastique. Leur design est si complexe qu'on ne peut les reproduire qu'en impression 3D. En fait, c'est une impression qui ne respecte pas les plans traditionnels. Donc, on part carrément d'une surface qui est horizontale et puis on migre vers un plan qui est incliné. Donc, comme ça, on respecte le contact avec la tête, mais aussi le contact avec le casque. Chaque cellule a une forme et un treillis particulier en fonction de la zone qu'elle occupe dans le casque. 95 cellules seront réunies dans le prototype, toutes retenues ensemble par un harnais qui, lui, se fixe à la paroi intérieure de la coque. Ça, c'est notre première version de notre casque complet avec le liner. Je pense qu'il va te faire. J'aime bien la texture. C'est mou, mais pas trop mou. J'aime le fait qu'il soit à côté bien comme il faut partout autour. Tu sais, il n'y a pas d'espace où il n'y a pas de contact sur la tête. On peut bien voir tous les côtés. Pendant que les designers travaillent à l'amélioration du look et du confort du casque, les ingénieurs mènent des tests d'impact numérique sur le modèle en développement. Les designers industriels, eux, sont des gens très créatifs qui pitchent beaucoup d'idées. Nous, notre travail, c'est de venir tester ces idées-là de façon virtuelle pour pouvoir prendre des décisions très rapides. Un des éléments qui a soulevé des discussions entre ingénieurs et designers, c'est une légère crête stylistique, ou le ridge, comme ils l'appellent, à l'arrière du casque. Elle pourrait être en plein sur la cible d'un point d'impact du test. Il risque d'y avoir une grosse concentration de contraintes au niveau du ridge, puis ça, c'est un mode de défaillance qu'on veut pas. Donc, on a dû un peu pivoter, modifier un peu notre approche pour cette zone-là, pour enlever ce détail-là, le modifier, pour être capable de limiter les risques de moins bien performer au test à cause de ce détail-là. Pendant ce temps-là, il faut assembler en toute vitesse un banc d'essai pour procéder au test d'impact sur le produit fini. C'est un test où on va impacter, disons, un casque sur une tête instrumentée. Il y a 6 directions d'impact à 3 vitesses différentes. Donc, il y a 18 tests pour établir, disons, le score d'un casque. On va faire 18 impacts. Puis à partir de ces 18 impacts-là, on va recueillir l'accélération linéaire, mais l'accélération aussi rotationnelle pour chacune des situations. Les points d'impact sont basés sur une analyse fine que la NFL a réalisée à partir de vidéos de jeux qui ont mené à des commotions cérébrales. Le test impose un coup oblique à l'arrière du casque, un autre à l'avant, 2 coups sur les côtés, dont un plus haut que l'autre, et 2 autres impacts sur la grille. On pourrait faire un test SU à 5,5 mètres par seconde. 10 mois à peine après le début de la compétition, la longue série de tests d'impact commence. Des tests identiques à ceux que la NFL fera subir à tous les casques. En plus des structures à l'intérieur du casque, le groupe montréalais a misé sur une coque molle pour absorber encore plus d'énergie lors de l'impact. La NFL exige que les casques déposés au concours réduisent au maximum les accélérations de la tête.
L'objectif est fixé à 0.70. La NFL estime que c'est une performance d'environ 15% supérieure à celle des meilleurs casques sur le marché. Une cible difficile à atteindre. Jusqu'à maintenant, on a pu atteindre 0.78, ce qui est un bon score si on le compare par rapport à ce qui existe sur le marché. Atteindre une pareille performance en si peu de temps pour une équipe qui partait de zéro ou presque, c'est un exploit. How did he do that? I don't know. Bro, he's a magician. En juillet 2021, donc un an seulement après le début officiel de la compétition, leur prototype part se mesurer aux concurrents. On est très fiers de ce casque-là. Après, avec mes yeux de chercheur, je vois encore toutes les choses qu'il y a à améliorer pour l'amener encore plus loin. L'annonce du gagnant par la NFL doit se faire d'un instant à l'autre. Bon, on s'attend à gagner. On s'attend à être parmi les meilleures équipes, très certainement. Puis on s'attend surtout à ce que le casque suscite tellement d'intérêt qu'on ait des propositions pour en poursuivre le développement, pour éventuellement aller à une commercialisation. Qui sait? Le Super Bowl mettra peut-être un jour en compétition le génie et le design d'ici dans un de ses matchs enlevant où le casque trône en champion.